Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ici dans cette vidéo pour réaliser un mur en pierre. Attention, c'est pas n'importe où, puisque c'est dans un Leroy Merlin. C'est Leroy Merlin Tassin qui m'a demandé de réaliser deux murs décoratifs en pierre de Parmand, mais pas que, puisque dans une prochaine vidéo, vous allez me voir réaliser la préparation d'un sol, la pose de 20-20 imitation ciment, et aussi la pose de parquet. Le fait de travailler dans ce type de magasin, bah écoutez, j'ai rencontré énormément d'abonnés, j'ai eu beaucoup de remerciements. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte hein, au fil du temps, mais ces tutos bah, vous rendent service. Une manière toute simple de soutenir la chaîne, c'est tout simplement de vous abonner, ça ne vous coûte rien. On va réaliser ensemble un mur complet en pierre de Parmand. Attention, il fait 16 mètres carrés ce mur. C'est très technique hein, les murs en pierre, puisque bah, les pierres se posent les unes sur les autres. On a pas droit à l'erreur, il faut toujours poser le laser. Et puis particularité ici, on a un angle rentrant. Donc je vais vous montrer comment je réalise les tablettages pour réaliser des belles coupes. On va tout simplement préparer notre mur. Et c'est vrai que moi je préfère enlever les plinthes à chaque fois. Je trouve que les finitions sont bien plus jolies lorsqu'on enlève les plinthes et qu'on peut poser les pierres sur le sol. J'utilise un ciseau, un petit marteau, une petite massette. C'est très simple, on va prendre une petite spatule par la suite pour enlever l'excédent au niveau de la colle. Bon, nous voilà ici, on doit réaliser ensemble ce grand mur en pierre de Parmand. Je crois qu'il fait à peu près 16 mètres carrés. Je vous présente les pierres, elles sont juste là. Et Lithos, je pense que c'est la marque, hein. Élégance beige. Bezo, oui, bon bah ça c'est la traduction en je sais quelle langue. Bezo, oui, bah je sais pas, vous me direz en commentaire hein. Donc c'est de la vraie pierre naturelle. Alors moi je les aime bien, je les ai déjà posées, celles-ci en plus. Alors là vous les voyez de dos, donc comme ça vous voyez comment c'est fait. C'est tout simplement des barrettes de pierre qui sont collées les unes contre les autres hein, sur des gabarits. Et quand on retourne de l'autre côté, voilà ce que ça donne hein. Donc elles sont très bien calibrées, vous verrez, on va les traiter un petit peu quand même, puisque les pierres de Parmand, ça se protège toujours. Voilà, donc forcément toutes les coupes vont être à la disqueuse ici, hein. J'ai mon poste de travail qui est prêt juste là. Mais là tout d'abord, bon, on va poser le primaire d'accrochage. Primaire d'accrochage, il est là, c'est un tout support, hein. Je l'utilise très souvent celui-là. Le PRB, voilà, c'est tout support pour agréage et colle carrelage. Nous, on va poser à la colle ici. Donc, vous voyez, tout est marqué, intérieur, extérieur. Vous voyez, par exemple, ici, c'est bien marqué qu'en extérieur, au mur, ça marche pas. Hein, vous voyez, il faut bien lire quand même ce qui est marqué sur tous les produits. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il sèche relativement vite. Et ça permet de m'organiser d'une manière assez efficace, j'ai envie de vous dire. Attention, parce que celui-ci, il est très liquide. Alors, il coule beaucoup. Bah forcément les gens regardent un peu. On est dans un magasin, bruit de machine à café. Bon alors en colle j'utilise celle-ci, c'est la Axtol Colle Carrelage Flex ou support, carrelage variance, pierre naturelle, plaquette de Parmand, mosaïque, neuf et rénovation, on peut faire tous les formats. En fait, elle est hyper polyvalente puisqu'on peut même faire sur les planchers chauffants, vous voyez. Voilà, donc ouais, la petite mention ici, elle est pas mal, elle est assez intéressante puisqu'ils vous mettent le nombre de mètres carrés avec le double encollage compris. Hein. Donc vous voyez, ça c'est assez intéressant. Allez, c'est parti, j'ai mis mon eau ici, la colle est là, le malaxeur est là-bas. Sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Donc là ici le sol est pas de niveau. Alors c'est tout bête hein. Regardez où est le niveau laser. Donc ici vous voyez on est un petit peu au-dessus de la plaque. Et le trait que vous avez là, le trait que vous avez ici, c'est une plaque, là on est déjà à 7 mm facile. Et si on arrive au fond, il y a plus d'un centimètre de différence. Dans l'année première, je ne vais pas utiliser de peigne, parce
que ça va trop salir en fait. Donc du coup, je vais tout simplement graisser ma pierre sur le dos ici. Bon, vous avez compris, hein, je vais suivre la ligne en fait. Et une fois que ça, c'est bien niveau et que j'ai une bonne assise, je vais pouvoir monter parce qu'attention, les pierres parements, ça se pose sans loin. Donc faut savoir bien tricher. De temps en temps, ça reste de la pierre, donc c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose bah, qui peut avoir ses défauts aussi de temps en temps. Donc voilà, votre meilleur ami, c'est le niveau. Et si vous êtes de niveau, après sur votre départ, tout va bien se passer. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu mon rang là, qui est bien de niveau. Je vais vous montrer ça. Je vais enlever les vis pour essayer de bien passer les pierres derrière. J'en profite pour vous montrer le niveau. Donc là, elles ont toutes été, vous voyez, encollées là. J'ai bien suivi mon laser tout le long ici. Alors de temps en temps, il tape pas sur le bord de la pierre ici, mais ça, c'est dû à l'irrégularité des pierres. C'est tout à fait logique. Vous voyez, par exemple, là, il tape pas dessus, mais après, il tape. Tout simplement parce que là, ici, la pierre, elle est un petit peu biseautée. Ici, si je me mets comme ça, je vais avoir mes petits bouts à chaque fois à rajouter ici. Moi, ce que je veux, bah, c'est commencer net. Donc, je vais couper ce petit bout ici. Je vais le garder, ce petit bout. Je vais pouvoir le mettre après sur la partie du tout ici. Je vais me faire peut-être une ligne de 4, de 5, vous voyez, comme ça. Ensuite, je changerai le motif parce que je trouve que c'est toujours plus joli quand les motifs sont inversés, que ça fait un petit peu trompe-l'œil. Allez, je vais allumer le niveau, on vérifie, je suis ici. Bah je continue. Alors une autre manière pour vérifier si vous êtes de niveau, regardez, j'ai posé mon niveau là-dessus et en fait, vous voyez, j'ai le trait du laser et je vais bah, tout simplement prendre la distance de mon laser, vous voyez, qui est là, sur le mètre, jusqu'à ma pierre, là j'ai 39. Et puis là, à combien on va être? Je me mets bien sur mon trait. Je suis à 39. Carleur, faut aussi avoir des bons fessiers parce qu'il y a des allers-retours sur l'escabeau. J'ai pas compté, mais ça commence à faire. Hein. Là, en fait, je vais un petit peu disquer cette pierre là pour que ça plaque mieux au niveau de la prise.
Et là, voilà, je paye l'autre côté. Alors, un petit café de quoi ? On a inversé la manière d'étaler la colle. Ouais, ici j'ai un rebord et ici j'ai les pierres. Je vais commencer par couper droit ici, hein, une pierre, et je vais la poser contre ce mur là en fait. Et ça me permet de voir un petit peu les décalages, vous voyez. Donc là, ce qui fait que je me rends compte qu'il va falloir que je grignote, vous voyez, cette zone ici. Voilà. Je vais avoir un petit peu là, ok, et un petit peu là. Bon, maintenant c'est disqueuse et on va essayer de mordre au maximum sur la pierre qui est là. Voilà. Je me rends compte qu'il en faut encore et il en faut encore pas mal. Il faut que si j'arrive à enlever, vous voyez, repartir un petit peu encore en dedans ici, il faut que j'enlève, allez, 3 mm ici, 3 mm là-haut, et je pense qu'on sera bien. Ah, encore! Encore ici, là. Encore un tout petit peu ici. Voilà. Donc on reporte à chaque fois avec le crayon. Hein. C'est un petit peu le trait d'artiste, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'angle, ça fait quand même joli à l'œil. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Le petit décroché là, le petit arrondi. On suit. Voilà quoi. Alors, c'est un peu long, hein, mais bon, c'est vrai que pour les. Du moins, vraiment pour les endroits qui vont être visibles à l'œil, hein, bah, je trouve que c'est pas mal de le faire. Et je fais ça. Et ça, on est bon. Voilà à quoi ça ressemble, tous les angles rentrant, c'est ça qui est long, hein, avec les pierres de parement, quand on veut faire les angles bien comme il faut, ben on doit passer par là quoi. Cette face est faite aussi, on laisse bien sécher. Demain on a toutes les finitions ici parce que j'aimerais bien poncer un petit peu l'arête, que ça fasse un petit peu plus joli, et puis après on va réhydrater nos pierres avec une cire incolore, mes petits livrets. Balayette de partout. Le protecteur que nous allons mettre sur nos plaquettes de parement. Alors vous voyez, imperméabilisant, anti-tache ici, c'est important. On va être à côté des machines à café, le café qui gicle, qui tombe, etc. Je vous passe les détails. Facile d'entretien, soupeur neuf et rénovation. Vous voyez, on peut le mettre au sol extérieur, mur extérieur, sol intérieur, mur intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, moi l'aspect, c'est celui que je préfère, c'est l'invisible. Et voilà, si vous choisissez l'effet mouillé, ça joue beaucoup, hein. Ça rend vraiment cet aspect-là. Thank you.
bientôt pour la pose de parquet, une fois n'est pas coutume, mais pas que, puisqu'on va préparer un sol, etc. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout prenez soin de vous.